Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Toff. Aujourd'hui on se retrouve pour la 16ème partie sur l'esprit de Super Mario Galaxy 2 sur Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé notre quête des étoiles vertes. Et aujourd'hui, on va continuer cette quête, tout simplement. Il faut qu'on continue. Donc on va continuer tout ça. Non, on revient derrière, s'il te plaît. Parce qu'il faut aller là, voilà. À la terrasse des Rigolonimbus. Et on est parti pour la première étoile verte. Allons-y. Bon, comme d'habitude, j'espère que ce petit let's play vous plaît toujours. Voilà, en même temps, là, on a affaire quand même à un grand jeu. D'ailleurs, là, vous l'avez peut-être vu, là, derrière l'hôtel, il y avait une étoile verte. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'étoile verte, vous l'avez peut-être vu une deuxième tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite avec la caméra. Malheureusement, on peut pas y toucher. Si, voilà. Là, d'ailleurs, mince, pardon, je me suis gouré. Voilà, on le voit juste ici, voilà, il y a une ombre ici, et juste au-dessus de cette ombre. Bon, là, on le voit pas, mais une étoile verte, ici, allez chercher. Donc, on va aller la chercher tout de suite. Donc, pour ce faire, pour pouvoir aller la chercher, il nous faut un nuage. Ensuite, on va essayer de revenir sur nos pas. Hop. Pour pouvoir aller chercher l'étoile verte, tant convoitée. Et la voilà, notre étoile verte. Très bien. Et d'ailleurs, là, dans l'image, vous avez peut-être vu la seconde. Seconde étoile qu'on va aller chercher tout de suite. Comme quoi, elles sont bien planquées pour certaines, mais si on ouvre bien l'œil, on peut vraiment les trouver assez facilement. Allez, on va aller tout de suite aller chercher la seconde. Allons-y. Alors là, c'est vraiment beaucoup de la collecte, plus qu'autre chose. Ça change un peu, on va dire, le gameplay du jeu, où il faut vraiment atteindre le bout, voir comment on atteint le bout, justement, pour pouvoir choper l'étoile à la fin. Là, c'est vraiment de la recherche pure et dure. Donc, il faut vraiment chercher, fouiller. Vous voyez l'étoile verte, là, qui se trouve derrière Todd. Et... ouais, donc, il faut vraiment bien chercher à fond, tout simplement. Allez, allons tout de suite chercher la seconde. Allez, tu me prends ça tout de suite. Et on y va. Alors, mon étoile verte. Déjà, faut que je trouve comment j'atteins déjà celle-là. Parce que là, il faut monter. Mais je ne sais plus où est-ce qu'il faut monter. Ah oui, il faut monter là. Voilà, elle est là. Ah, ça va pas le faire. Ça va, bon, on va aller la rechercher tout de suite. Hop, on va reprendre un petit peu de nuage. Et je crois que je suis pas du tout si ça va aller là. Voilà, c'est bon. Là, niveau perspective, c'était pas trop ça, mais bon, au moins on l'a eu. Et ça, j'en suis ravi. Allez, c'est bon pour l'étoile verte numéro 2, on va pouvoir passer à l'étoile numéro 3. Allons-y. Alors, pour l'étoile 3. Alors, l'étoile 3. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de doute sur laquelle on va aller chercher. Voilà, c'est celle qui se trouve là. Et pour cette étoile verte, hop, allons-y. Bon, toi, petit oiseau, là, je t'ai rien demandé. Toi non plus. Yeah.
Alors, l'étoile verte. Ouais, par ici. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Par contre, question, on peut pas y aller comme ça. Hein. Non. J'avais un doute. Alors, où est-ce qu'il est, mon Todd? Qu'est-ce que... C'était là? J'ai un doute. Attendez, j'ai un doute. Vas-y, prends les 5. C'était là? Attendez, j'ai un doute, là. J'ai un énorme doute. C'était ici? Attendez, je vais pas prendre le checkpoint. Parce que j'ai un doute là sur l'emplacement du Todd là. Pour moi, il était pas là, hein. Il était bien avant ça. Hein. Tant bien qu'on est en train de me faire mentir, mais. Salut. Ah non, elle est là-bas, mon étoile. Regardez, elle est là. Mais bon, en fait, je suis bon. En réalité, je suis bon. Vas-y, tu peux continuer de monter. Le voilà, le Todd. Oui, je sais ce qui s'est passé. Tu me dis toujours la même chose. Donc maintenant, pute pour moi, atteindre mon étoile. Non, j'aurais pas dû faire ça. Alors, ouais, attention parce que j'ai pas pris de checkpoint là. Hein. Voilà, c'est bon. Je vis dangereusement. Mais en tout cas, ça passe. Parfait. Bon, étoile un peu plus longue à avoir. En tout cas, on l'a eu. Qui est le principe. Bien. Galaxie terminée. Encore des fragments, encore des pièces, partie sauvegardée, et on enchaîne. Allez, c'est parti pour les comètes suivantes, dans le même emmenassant de Bowser Junior. Et on commence tout de suite avec l'étoile verte numéro 1. Alors là, cette fois-ci, on ne l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Donc il va falloir chercher. Allons-y. Bon, après, quand vous savez où se trouvent les étoiles vertes, ça vous marque. Alors, hop, pour cette étoile verte, on va monter ici. Ah, je me suis raté. Attention à ne pas se faire écraser quand même. Tu peux monter sur le tronc, s'il te plaît, mon cher. Hop. Monte sur lui, voilà, merci. Je me suis raté. Et je me suis super bien remis, hein, franchement. Waouh. Voilà, puisqu'il va falloir monter voilà, sur le château. Et vous voyez, mon étoile verte, elle est là-bas. Tout simplement. Jusqu'à passer tranquillement de plateforme en plateforme. Pour atteindre l'étoile verte qui se trouve là. Par contre, je sais pas comment j'ai fait pour me remettre là sur la plateforme parce que j'étais bon pour la mort là. Mais bon, ça va, je me suis quand même bien remis. Bien. 137. Bien, ça monte. Petit à petit, le dragon fait son entre. Allez. Allez, c'est parti pour l'étoile verte numéro 2. Mais ça, vous voyez, je vous dis un truc franchement. Hein. Mais dans les nouveaux Mario, ça manque des choses comme ça. Des petites quêtes, des petites aventures plus, enfin des trucs comme ça, vous voyez, ça manque terriblement dans les jeux Mario aujourd'hui.
Ça manque, mais vraiment terriblement, quoi. Ils pourraient faire tellement mieux, hein, mais ils ne le feront pas. Hein. Vous voyez, je préfère plus faire ça, par exemple, que de récupérer le 999 lunes de Mario Odyssey, par exemple. Vous voyez, c'est bête, hein. Mais... franchement, une fois que t'as fini l'aventure principale, choper les 999 lunes restantes en achetant tout le reste, je trouve ça complètement inintéressant au possible. Et je préfère faire 1000 fois ça que d'aller acheter des lunes à tout va. Hein. Alors, par contre... où est ma... aïe, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Parce que je l'entends là, mon étoile, mais je sais plus comment la chope. Je crois que c'est par là, je crois. Ah ouais, elle est là. Elle est là. Donc voilà, au moins, c'est des étoiles intéressantes à choper. Et je préfère choper plus ça que d'aller acheter je ne sais combien de lunes, 500 lunes au niveau du marchand dans Mario Odyssey, vous voyez, où je trouve ça pas intéressant du tout. Voilà, là au moins, c'est quelque chose d'intéressant. On cherche, on fouille, on essaie de trouver les étoiles par nous-mêmes, on essaie d'écouter, on... voilà, je préfère faire 1000 fois ça que de faire les lunes de Mario Odyssey, quoi. Franchement. Bon, après, c'est que mon avis une fois de plus. Ça, pour moi, c'est mieux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais... moi, je préfère faire ça que d'aller acheter le reste des lunes au marchand, quoi. De Mario Odyssey. Et ça, ça manque. Vous voyez, des choses comme ça dans les nouveaux Mario, ça manque. Une petite aventure plus, vous voyez. Ça manque beaucoup. Alors ici, bah, la première étoile verte, vous l'avez vue, elle est juste là, hein. Pas dur à voir. Donc pour ce faire, alors là j'espère pas me foirer parce que là si tu te foires c'est mort. Parce que là en fait ce qu'il faut faire c'est servir du trampoline. Et je me suis raté, c'est pas grave. Pour monter putain, sur le bloc si j'y arrive. Bien sûr. Parce que là il faut monter sur le bloc sans le casser. Voilà comme ceci. Et ainsi une fois qu'on monte dessus, petit wall jump et on peut choper l'étoile. Parce que évidemment, si vous cassez le bloc qui se trouve en dessous, bah, vous ne pourrez plus avoir l'étoile, puisque vous n'aurez plus de moyen de vous poser pour monter encore plus haut. Donc il va falloir recommencer le niveau. Voilà, je suis content, j'ai réussi du premier coup. Bon, après, c'est pas grave, hein. Parce que si vous foirez, vous avez toujours les étoiles suivantes. Qui sont là en cas de besoin. Allez, on enchaîne avec l'étoile suivante. Allons-y. Pour l'étoile verte numéro 2. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Je crois que oui, hein. Il me semble que c'est celle-ci. Franchement, je vous le dis, cette musique-là, pour moi, c'est ma préférée hein, dans Galaxy 2, vraiment. Je l'aime beaucoup. Allez, vas-y. Ouais, donc c'est bien celle-là, la deuxième. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est certainement pas ça. Oh lol. Oh, mais qu'il est con. Bon, c'est là, heureusement, je venais juste d'avoir le checkpoint. Voilà, donc ici, il faut se grouiller, il faut se dépêcher. Hein. Et là, je viens de me foirer. Puisqu'il fallait que je monte. Ouais, non, je peux pas l'avoir comme ça.
Donc c'est terminé. Suicide. En fait, il faut servir en fait de la plateforme en verticale pour monter dessus et ainsi faire un wall jump sur le truc. Mais là, je me suis complètement foiré. Et je me refoire pour la deuxième fois, sérieusement. Bon, on est d'accord, hein, c'est pas possible de l'avoir comme ça, même avec un wall jump. Attendez, à faire un triple saut plutôt. Non, c'est beaucoup trop bas. Bon, suicide. On va aller faire la... Sinon, tant pis, on fera la troisième, hein, si vraiment je me foire encore. Ah, je suis déçu, là. Vas-y. Voilà. Voilà, ça va, j'ai fait le triple saut, j'ai réussi. Ah, punaise. Bon, au moins, on l'a eu. Au moins, on l'a chopé, celle-là. Bien, 140. Allez, c'est parti pour l'étoile suivante. Ma foi, franchement, on avance quand même assez bien. Hein. Assez bien et assez vite, surtout. Ça, je suis ravi. Allez, c'est parti pour l'étoile 3. Alors, pour l'étoile verte numéro 3. Qui se trouve donc encore plus loin que l'étoile 2, hein, évidemment. Ah, franchement, cette musique là, je l'adore beaucoup, hein, sincèrement. Pourtant, c'est pas l'une. Non, descends, Mario, s'il te plaît. C'est pourtant pas l'une des plus marquantes de musique, mais franchement, celle-là, je l'aime bien. Allez, vas-y, tu peux monter. Alors, mon étoile, voilà, vous l'avez vu, elle est là en bas. Hein. Donc, pour ce faire, voilà, faut se mettre là, on se laisse descendre. Voilà, on se laisse aller. Et on peut choper l'étoile comme ceci. Franchement, on est très bien, non? Parfait, 141. Encore des pièces. Encore des fragments. Et on enchaîne avec la galaxie suivante. Qui sera celle-ci. Les chutes abruptes. Allons-y. Alors, ici. Ici, ici. Donc on est parti pour l'étoile verte numéro 1. Donc ici pour ces chutes abruptes, donc c'était avec le piment et Yoshi. Hein. Alors. Hop. Allez Yoshi, je vais avoir besoin de toi mon ami. Donne-moi tes ailes, toi. Non, c'est le piment qu'il faut m'avaler, mon cher Yoshi, s'il te plaît. Hop. Voilà, vous l'avez peut-être vu, mais l'étoile est tout en haut. Hein. Comme ça, pour la première étoile, il faut passer par là. Hein. Oh non! Non! Yoshi, reviens!
Et oh là 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 là. Yoshi, qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh, qu'est-ce que tu m'as fait, Yoshi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a foutu, Yoshi, là, mais il s'est cogné, il a pas voulu remonter. Hein? Alors? Bon, par contre, attention parce que j'ai plus de vie non plus. Donc, si je me foire encore une fois, voilà quoi. Ce sera le game over quoi. Et il m'a refait exactement la même. Oh. Bon, ouais. Bon, bah, au moins, vous aurez vu ce que c'était qu'un game over. Ah, je vous jure. T'en as pas mal bavé ces derniers temps, hein? Fais donc une petite pause, va. Privilège de capitaine. Non, non, mais je fais pas de pause, mon ami. Bon, bah, c'est pas grave, on reprend de suite. D'autant plus que ça, bah, c'est bien parce qu'il y a les fragments d'étoiles qui sont revenus ici et là. Parce que j'en ai besoin, hein, des fragments d'étoiles aussi, hein, donc. Je ne dis pas non. Oh, j'y crois pas qu'on va faire un game over ici, franchement. En plus, il m'a fait deux fois la même, hein. C'est ça le pire, hein. Il m'a fait deux fois la même connerie. Et en plus, la dernière fois, je crois que je l'avais fait du premier coup en plus, hein, où j'ai réussi à monter tout en haut du bazar. Donc là, évidemment, je n'y arrive pas. Franchement. Bon, est-ce que je vais réussir à remonter cette fois-ci? Voilà! C'est bon! Calme-toi, mon grand! Calme-toi! Voilà! Et là, j'arrive du premier coup, comme par hasard! Mais c'était pour vous montrer ce que c'était qu'un game over, hein! Voilà, tout simplement! Hein. Oh, franchement! Bien, 142. Allez, on enchaîne avec l'étoile suivante. Alors, l'étoile 2. Allons-y. Alors, l'étoile 2... Alors par contre, je sais plus où est-ce qu'elle est l'étoile 2. En toute façon, elle est plus loin que l'étoile 1, hein, ça c'est sûr. Parce que les étoiles, encore une fois, sont placées dans l'ordre. Hein. Donc ils vont pas mettre l'étoile 3 avant l'étoile 1, bien sûr. Cela va sans dire. Vas-y, alors là cette fois-ci on va y aller de manière normale, hein. On va pas. Voilà, on va pas se prendre la tête. Hop. Alors mon étoile 2. Allez, vas-y. Il me semble qu'elle était là, hein. Si je ne m'abuse. Elle doit être dans le coin. Non? Si. Là, il faut que je monte. Elle est là, regardez. Monte là-dessus. Ah, oh, dommage, je n'ai pas réussi à monter. Et là, il va glisser. Vas-y, redescends là, tranquillement. Voilà.
Bon, là au moins ça va, la chute n'est pas mortelle, là, donc ça va. Voilà, oh! Putain, je suis derrière le décor, quoi, franchement. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Hein. Franchement. Bien! Une de plus. Une de plus, il en reste une. Yes. 143, c'est pas mal. Alors, la suivante. Allons-y. C'est parti pour l'étoile verte numéro 3. Donc, pour l'étoile verte 3, donc elle est encore plus loin que la deuxième, hein, bien évidemment. Ça, je suppose que vous l'aviez compris. Allez, on va vite aller la chercher. En espérant ne pas se foirer. Surtout récupère aussi les fragments, ça m'intéresse. Allez, vas-y, petit Yoshi. Très bien. Ça, c'est excellent. Parfait. Et si tu peux continuer de monter. Oula, par contre, j'entends l'orage qui est proche de chez moi, donc je crois que je vais pas tarder à m'arrêter là. Ça va peut-être même d'ailleurs la dernière étoile de cette vidéo là. Parce que là, mince. Comment on quitte Yoshi déjà? Ah oui, comme ça. J'avais un doute. monte, Yoshi, s'il te plaît. Voilà, parfait. Bah écoutez, ouais, on va s'arrêter là parce que là j'entends un vilain orage là qui est en train de s'approcher de chez moi. Donc je vais plutôt m'arrêter là en plus, ouais, on s'approche des 30 minutes, ma foi c'est très bien, en plus on a chopé pas mal d'étoiles aujourd'hui. Donc ouais, on va plutôt s'arrêter là pour aujourd'hui. 144, ma foi on est bon. D'ailleurs on a chopé combien d'étoiles aujourd'hui? On en a chopé pas mal, non? Je pense, on a chopé combien là? 3... 6, 8 et 3, 11. Voilà, on a quand même chopé 11, ce qui est quand même très bien. C'est parfait. Allez, on s'arrête ici. Donc, c'était top top donc pour cette 16e partie sur l'esprit de Super Mario Galaxy 2. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, bah, on reprendra notre quête des étoiles vertes. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine, tout le monde!